Arnold. Yes. Est-ce que toi et tes mèches, vous êtes prêts? Nous sommes prêtes. Prêts. Les mèches et moi sont prêts. Non, c'est les mèches. On n'a pas encore commencé la vidéo. Hein. Déjà, tu es prête. Non, c'est les mèches qui sont prêtes, je vous l'ai dit. Et ta barbe, elle est prête? Ma barbe et moi, nous sommes prêts. Ok. Parce que homme, un nom masculin et un nom féminin, au pluriel, ça donne masculin. Non, j'ai demandé si ta barbe est prête. C'est ça, il dit ma barbe et moi, nous sommes prêts. Voilà. Lily, est-ce que t'es beau, t'es dressing? Et puis t'es là. Comment on appelle ça là? Plapla. Plapla. Tu connais à faire des cheveux de femmes, mais... Quand on dit cheveux de femmes, là, tu maîtrises. Tu as fait comme tu connais pas pour me mettre. Tu as fait comme tu connais pas pour me mettre. Toi et puis, Nathé derrière, vous êtes prêts? Je ne peux pas répondre. Pourquoi? Tu as fait Nathé derrière ou pas? Ça bouge les yeux. Nous sommes prêts. Prête. Hey. Mais on a quoi les E, les... Noura, est-ce qu'on te voit? Noura, ton foulard noir, vous êtes prêts? Faut te mettre... Bon, mets-toi à genoux, ils vont te voir. Ils vont voir un peu ton foulard. Mais il était à genoux dessus, là. Voilà. Mais pourquoi même tu as apporté foulard? Il y a quoi? C'est pour savoir. Bon. Je vais lancer le générique. Hein. Générique. Attends. Salut mes chéris, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui, je vais vous parler de Tap-Tap-Sel. Il y a une application d'envoi d'argent de l'Europe vers l'Afrique. Il n'y a que ceux qui sont en Europe qui peuvent envoyer de l'argent en Afrique. Mon code promo, chéris12. Pourquoi? Ça veut te gagner. Quand tu es aux États-Unis, 0 francs d'envoi. 0 francs. On n'a pas fini. On passe à autre chose. C'est moi, je lance le générique, c'est ma chaîne. Maintenant, générique. Coucou les chéris, j'espère que vous allez bien. Hello chéris, I hope you are fine. I'm happy to see you again. So, I'm Kevin Aubin. This is Arnold. This is Larry. And Noura. Ok, so I'm coming to speak about TapTapSound, qui est une application d'envoi d'argent de l'Europe. Il n'y a que les gens qui sont en Europe qui peuvent envoyer en Afrique, peu importe la somme que vous envoyez si vous êtes en Europe. Vous payez 5 euros de frais d'envoi. Si vous êtes au Canada ou dans mon pays, les États-Unis, vous payez 0 dollars de frais d'envoi. Mon code promo chéris12 vous donne 5 euros gratuitement si vous êtes en Europe et 10 dollars gratuitement si vous êtes au Canada ou aux États-Unis. Désormais, on peut envoyer de l'argent via TapTapSend au Burkina, au Bénin et en Guinée. Et quand tu envoies l'argent dans ces trois pays-là, on ne paye pas de frais d'envoi. Voilà. Donc, vous utilisez chéris12, vous utilisez mon code promo, vous envoyez de l'argent à vos familles en Afrique, à vos amants, amantes, à vos chéris. In English. So, You could send money in Africa to your family, to your love, to your person, with. Ah, il sait parler you anglais. You want to kiaba. So, ok. Il sait parler anglais. Oh, un peu de merci. Il sait parler. Donc, Arnold, tu rêvais de venir sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est été fait. Comment tu te sens? C'est inexplicable. Donnez-moi des mouchoirs, s'il vous plaît. Parce que c'est inexplicable. Franchement, c'est un rêve. Je sais que vous rêvez tous de ça. Aujourd'hui, moi, j'ai réalisé l'un de mes rêves. Jean, tu me sais ironie, quoi. Non, c'est la vérité. Pourtant, quand je devais faire la vidéo de Miss Côte d'Ivoire 2023, là, tu m'as envoyé un message. Tu dis, on a qu'à faire la vidéo ensemble. Tu m'as envoyé plusieurs messages. Tu es même passé par Noura et Lily. Je dis, je ne vais pas faire la vidéo de Miss Côte d'Ivoire avec toi. Bon, quand je t'ai croisé, je t'ai dit, on va faire. Parce que c'est nous qui on voit par là. Donc, je ne voulais pas faire parce que je voulais prendre ma gloire de vidéo de Miss Côte d'Ivoire. Parce que tu sais que toutes mes vidéos de Miss Côte d'Ivoire cartonnent. Je t'arrête. Si on dit quelqu'un qui a fait Miss Côte d'Ivoire, c'était moyen. Non, hein. Ah, c'était moyen. C'est parce que moi j'ai lancé à faire des vidéos de Miss Côte d'Ivoire que toi tu allais faire ça sur TikTok. Non. Le débat. Je suis ton dévancier, tu m'as touché. Non, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais l'année là seulement, c'est Miss Côte d'Ivoire, c'était pour moi. C'est ça la vérité. C'est quoi tu as dit? J'ai décortiqué les Miss. Mais parce que toi, tu faisais vidéo sur vidéo. Et puis je te trouvais un peu trop dur avec les Miss Côte d'Ivoire, les candidates là, tu t'es mais un peu il faut trop que dur. Les gens soient durs pour que les choses changent. Les gens étaient mous là, qu'est-ce qui a changé? Il faut que les choses changent.
Soyons durs, soyons fermes. C'est de ça qu'il s'agit. Mais révolutionner les choses. À notre comité. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord, Lily. Ah. Oui, mais tu ne me poses pas de questions là. Je montre si mon placali va bien, si moi je vais bien. Publicité là, ma petite. Comme quand même tu as posé, il faut répondre. En tout cas, on va bien. Mais normalement, est-ce que tu as vendu placali aujourd'hui? Donc toi, tu choisis quand tu vends, quand tu vends. Non. Il y a mes petites soeurs là-bas. Elles ont des faits. Ah. C'est une entreprise. C'est une société. Donc quand la patronne n'est pas là, oui. Les sylvataines sont là. Oui. D'accord. Je peux commencer, non? Noura, si tu ne veux pas être dans la vidéo, il faut sortir. Parce quoi? Il faut regarder la caméra. On te voit pas, tu es en bas là-bas, tu peux voir. Hein? La vidéo là, non, hein? Ça doit marcher. Hein? Si ça vous fait ce genre de truc, à vous sauter. Toi, puis Anon, c'est toi qui as envoyé Anon ici sauter. Après, là, c'est pour nous faire fort. Il n'y a pas de souci. Toi, tu as dit ça. Yeah. Toi, tu te lèves pour aller derrière Anon. Toi, tu as venu dire aujourd'hui ici que c'est moi qui ai envoyé Anon, il va venir nous faire fort. Tout ça pour moi. Moi, je suis touché. Question. Attends. Oui, c'est ma vidéo. Hein. C'est à moi aussi tu envoies les questions. Anon. Tu dis quoi, là? Oui. Avant de commencer le concept de la vidéo, là. On a vu sur TikTok que on dit que tu critiques ma bio, ma soeur bio détox. On dit que tu la critiques. Bisous mon amour. Donc aujourd'hui là, je te donne la parole. Tu sais que mes vidéos YouTube, là, les gens coupent pour envoyer sur TikTok. Oui. Donc faut t'exprimer. Parce que les gens disent que tu es hypocrite, tu es papaton, tu es topa. Tu es sorti là, entends, c'est toi qui es garçon. Garçon, fais pas ça, tu es sopé. Ah, d'accord. Sinon, ce que garçon fait pas, c'est le citer là, on va te dire. Mais bon, c'est pas grave. Si c'est hypocrite là, je le suis. C'est hypocrite là, je le suis. Moi, ils savaient pas ça. Un peu quand même. Mais quand vous-même vous regardez le visage d'un autre là, si c'est pas hypocrisie, c'est vrai. Non, mais la chose, il faut. Ma elle-même, c'est ça que je ne l'ai pas. Ils sont en train de nous monter. Les gens voient que nous sommes jolis ensemble. Ils ne veulent pas. Ils voient qu'on est beau ensemble. J'ai enlevé mon nom, j'ai mis bio. Ça ne leur plaît pas. Ah. Toi-même, tu sais que je ne t'ai pas critiqué, ma maman. Je m'adresse directement à toi. Tu sais que je ne t'ai pas critiqué. Mais pourquoi quand la personne a dit que tu l'as critiqué, je ne t'ai pas répondu? Parce qu'ils ont coupé mon micro. C'était live de ma bio. Mon mais micro était coupé. Tu ne peux pas appuyer pour enlever. Non. Si. C'est un live. Chacun a le droit de s'exprimer. Donc, ils ont coupé pour moi là. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que je n'ai pas critiqué. J'ai dit. Tu n'as pas critiqué. Vous avez quitté parce le live. Parce que tu dis que tu n'as pas critiqué quelqu'un là. J'ai déjà des défauts. Non, là, tu es mauvaise. Je n'ai pas. Vous m'avez critiqué quelqu'un. Moi, c'est d'accord. Hein? Hey, j'ai dit, mais attends. Non, attendez. Je voulais parler à tout prix. Oui. Mes défauts. Oui, mais j'ai parlé. Est-ce que il a critiqué? J'ai parlé. J'ai dit que je n'ai pas critiqué. Non, vrai. Non, vrai. Il n'est pas critiqué. Bon, c'est quoi tu as dit sur elle? Je n'ai rien dit sur elle. Parce qu'à l'époque même où il dit que moi j'ai critiqué ma vie, je ne la connais pas, c'était jamais vu comme ça. Il a dit quoi, quelqu'un qui n'a jamais vu. Donc ils ont inventé. Ils ont inventé. Non. Parce qu'il a dit qu'il a les preuves, non. On a attendu qu'il va sortir les preuves depuis là, c'est pas sorti. Non, en vrai, il ne l'a pas. Il n'a pas critiqué, hein. Il ne l'a pas critiqué. S'il y a quelqu'un même qui la défend, c'est moi, hein. Non, ce jour-là, on a mal parlé de nous deux. Non, il n'a pas critiqué. On a fait direct. On a dit que franchement. Ah, quand j'étais dedans. Oui, c'est quand on a fait le direct. Et puis on a dit que franchement, on trouve qu'elle est trop dans les bassesses au fait. Pour son âge, elle doit être un peu. Non, c'est pas elle. Plus comme... Ah non, tu m'as dit, tu es d'accord. Non, moi, je reconnais que j'ai dit. Même aujourd'hui, j'ai dit. Non, c'est moi qui ai lancé le live, mais tout ce que tu disais, j'ai dit oui. Il m'a dit oui, moi, je suis d'accord. Ah. Mais on dit qu'il ne dit rien constant. Ah non. Et puis il a dit. Qu'il ne dit rien constant. Si nous rappelle quand tu dis oui, c'est que tu es d'accord avec. À l'époque, là, rien ne nous liait. Donc, ça date de quand? Ça date de quand? Le live dont nous rappelle là, ça date de quand? Non, ça date de depuis où elle a eu son affaire avec Titi. Ah oui, voilà, la femme, la fille, la Titi. Qui est Titi? L'ex de Jane lui. Là. Non. Yasmine Titi, l'ex de Ulrich. Non, elle, je le raconte. Ah, oui, Claire là. Ouais, quand il y a eu le doute là, non? Chacun faisait ses lives. Ah, mais à l'époque, tu n'étais pas proche de Bio. Tu n'étais pas proche d'elle. Ah, donc tu donnais ton avis. Voilà. Ils ont commencé à parler. Donc ce jour-là, en parlant, moi je te dis franchement, je trouve qu'elle est trop dans les bassesses. Pour si tu dis que tu es la femme de Ulrich, je pense que les pics de son ex, tu dois passer sur ça. Et alors, t'as dit, en vrai, moi je suis d'accord avec ça et tout. C'est comme ça qu'elle est montée dans le live. Voilà, elle est montée. Et en train de parler, tout ça, elle t'a dit non, que c'est pas comme ça, les choses se sont passées. Et elle a envoyé, c'est au moins, alors très hypocrite, elle a envoyé des captures à Anod pour lui expliquer. C'est pas elle qui m'a envoyé les captures. Le numéro
sur lequel j'ai reçu les captures. Moi, je pensais qu'à l'époque, c'était elle. Mais ce n'est pas son nouveau, c'est son assistante. C'est pas mais c'est qui c'est la même chose. Voilà. Donc elle a envoyé la carte à l'autre. Et puis à l'autre, viens me dire. Non mais c'est bon. On va mettre. Mais dans tous les cas, tu n'as pas critiqué, c'est ce qu'on veut dire. Et en fait, quand tu parlais, vous n'étiez pas encore amis. En tout cas, vous n'étiez pas proches. Donc c'est pas critique. Voilà. Si tu l'as critiqué, c'était pas comme ça. Vous n'étiez pas proches, vous n'avez aucun lien. C'est ce qu'on a vu sur les réseaux pour vous parler. Donc on ne peut pas te dire que tu l'as critiqué. C'est ça, je ne l'ai pas critiqué. Ok, donc c'est ce qu'on retient. Tu l'as pas critiqué. Faut mettre ta main dans tes cheveux. La Sonia. Non. C'est juste pour ça, non, d'aller faire mes chelins. Oui, non, c'est un coup, bébé. C'est un coup. Très un coup. T'as pas mis ma main. T'as vu ça, Anol. Et puis le nom de l'âme sœur est derrière. Tu veux voir si l'âme sœur l'a fait. Ah oui! C'était mal tourné. Ok. Mal pété. Attends, j'ai un voile encore. Ok, d'accord. Non, je n'ai pas posé quelque chose. Quoi? Voilà, c'est mieux, mais là, il y a clarifié les choses en même temps. Je suis en couple. Très en couple. Mais tu mets ta main dans tes cheveux, elle aussi, elle met sa main dans ses cheveux. Mais elle souvent elle reste pour moi. Oui. Ah, oui. Le prochain. On est en 2024. Oui. Vraiment. C'est parce qu'en 2024 que je vois ça. Bon, on va commencer. On vient faire un tu préfères. Mm-hmm. Voilà, c'est un petit concept sympa. Mais Lily, tu parles pas assez. Maman. Oui, on a dit. Non, c'est que vous faites ça, ça ne me concerne pas. Hein. Vos histoires de. Parce que tu es jalouse de ma bio. Parce que toujours quand on parle de ma bio là, tu tires ton visage. Toi, tu es malade. Moi, on ne peut pas. Toi, je suis Van Placali. Elle m'a produit à mes sœurs. Vous n'êtes même pas sur le même chemin. Vous ne vendez pas la même chose. Elle a raison de se passer parce que. Parce que toujours été remarqué. Même quand on ne filme pas, quand il n'y a pas. Même quand. C'est vrai. Quand il dit que Yélène, ma sœur, quand il parle de ma vie, elle est comme ça. Faut pas faire les amateurs, on va chanter Lily Kahn. Nous avons fait vidéo d'affaires avant-hier. Tout le monde dit que je suis jalouse de Kevin. Mais en vrai, tu es un peu jalouse de moi. Je suis jalouse. Et de mon succès. Moi, j'aime pas Kevin. Je suis pas bonne. Je suis trop gaine. C'est le ressenti de mes abonnés. Faut les laisser. Mais changer là, c'est qu'ils ressentent là, c'est ce qu'ils écrivent. Hey, y a pas de fumée sans feu, hein. Si ils ont dit ça, c'est parce qu'on peut pas ouvrir ton cœur d'écrire pour regarder les autres. Sinon, j'allais ouvrir dans ton cœur pour voir. Ils écrivent les commentaires pour dire que tu es mauvais avec moi, tu me dénigres, tu me soutiens pas assez là. Ça leur est facile. Ils ont raison. Non, là ils se perdent un peu. Ah ok. Ah, d'accord. Les chouaris, vous avez vu ma story time d'hier, non? Que je vous ai expliqué pour dire que y a une femme qui est venue ici là. Ce matin elle est venue encore. Ah, j'ai vu. Anna était là. J'ai vu. Vous avez vu ma story samedi. Je vous ai dit qu'il y a une femme qui est venue s'asseoir ici pour dire même nanani nanana. Elle m'a envoyé ses photos dénudées. Elle est venue matin là. Hein? Quand elle est. Moi je suis arrivé, je venais voir nous là. Donc quand je suis arrivé, j'ai vu parce qu'il n'y avait personne d'autre au balcon et c'est elle seule qui était là. Donc je suis rentré haut. J'ai dit bonjour, tante, je veux voir nous. Elle dit ah, moi je ne suis pas ici. Hein. C'est la dame en question. Elle qui a dit. Elle dit je ne suis pas ici. Donc moi je ne savais pas vu que je. Même on accueille les invités. Donc je me suis assis. Et puis. Noura, c'est pas que c'est elle. Donc on lui a tenté de la critiquer. Pour dire, mais c'est la même, voilà. Oh, elle est là. Donc on lui a fait fort pour dire qu'elle exagère. Donc c'est quand Cookie est sorti et elle a commencé à demander après Kevin à Cookie. Et ça, Cookie dit que Kevin dort. C'est là on a su que c'était elle. Donc il y a les tantes maintenant qui étaient là, elle était fâchée. Elle dit, mais la fille, la femme là, elle en a après Kevin, c'est trop. Donc il y a une dame maintenant qui lui a dit, mais madame, Kevin n'est pas là. Sortir. Elle dit qu'elle ne peut pas sortir parce que tu lui as dit que Kevin dort. Elle peut me répéter. Peut-être qu'elle n'a pas eu le numéro. Mais toi aussi, là, depuis l'entrée, elle est fond de toi. Quand tu dis quoi? Mais elle est fond de bon comment? Toi, tu ne l'as pas vu. Moi, je ne l'ai pas vu. Ah non, toi, tu ne l'as pas vu. Mais ça, c'est une bonne nouvelle. Toute belle. Elle est toute belle. On m'appelle, on me dit qu'il y a une dame ici. Elle est toute belle. Il n'y a pas de problème. Et puis le comble, quand elle partait là, elle dit si Kevin s'est réveillé, il faut lui dire que la jeune fille là. Et puis, moi, je ne suis pas sortie de la chambre. On dit, elle a dit que, dites que la jeune fille a demandé après lui. Et puis, Anna a dit, jeune fille, hein. Et puis, elle dit, bon, jeune dame. Parce que j'ai deux enfants.
Toi, tu as deux enfants, tu as plus de 40 ans. C'est moi, tu veux. Pourquoi? L'amour n'a pas d'âge. Non, non. Il y a beaucoup d'âge. Il n'a pas de sens. Et c'est Sandrine qui me met toujours dans ça. On dit ce matin, quand elle est venue, elle a dit à Sandrine que faut pas Sandrine va lui craquer la boîte au nez, qu'elle veut boire médicament. Donc, quand Sandrine a entendu, elle veut boire médicament, Sandrine l'a laissé rentrer. Est-ce qu'ici, là, sur le CHU? Mais vraiment, ça fait peur. Ça fait peur. Qu'on puisse rentrer chez toi comme ça, là. Vous avez vu, je vous ai expliqué ça hier sur YouTube, non? Aujourd'hui matin, quand elle est venue. Non, sérieux. Moi, je pense que la prochaine fois, là. Et puis, je lui ai dit que si elle vit encore, je vais lui envoyer la police. Elle a dit ça, et puis elle y est. Elle vous a dit ça aujourd'hui, non? Elle dit, Kevin, dit que si je vis, mais je vais amener la police. Et puis elle y est. Mais c'est peut-être qu'elle n'a pas tout son sens, Kevin. Elle y est, comment? Ça fait rire. Oui, ça vous fait peur. C'est je lui ai dit, je vais lui ramener la police, non? Et puis elle dit aux gens de la maison, ah, Kevin même m'a dit que si je reviens, il va me ramener la police. Parce que je vois à l'église. Elle dit, quand tu dis ça à l'église, quand tu cries, quand tu as crié, quand tu as crié la dernière fois, la salle. Oui, elle a dit ça, que quand je crie sur elle, ça lui plaît. Il y a raison de parler de la femme, on dirait que mais t'es fondée. Ah, non, c'est vrai. Il y a une femme. Mais ça, autre chose, tu as fait depuis. Mais on ne peut pas parler de moi. Pas d'elle. Quand tu as fait miroiter aussi à la fille. Je l'ai fait miroiter quoi? Tu lui as dit, quand elle t'a écrit beaucoup, là, tu lui as dit, envoie ma photo sexy. Mais oui, parce que je voulais l'inscrire. Non. Moi, quelle leçon? Je voulais l'inscrire au grand match en fait. Au vrai match. Tu as des photos de toi et t'inscris. Oui, mais tu peux aller sur sa page pour prendre les photos déjà postées. Mais non, non, les photos sur sa page, j'en sont. Je ne sais même pas aller sur sa page. La bête aujourd'hui, elle me l'aime. Moi, je parle avec quelqu'un que j'aime. La personne, j'ai vraiment photo sexy. Kevin, je vais t'envoyer photo. T'as, faut pas m'énerver. Non, c'est la vérité. Faut pas m'énerver. Mais étonné qu'on dise que c'est toi qui as demandé la photo. Je n'ai pas demandé. Je vais faire jusqu'à ce point. Je n'ai pas demandé. Tu as demandé, c'était moi-même. J'en ai envoyé. C'est toi. Je n'ai pas demandé aux photos dénudées. C'est toi. Je voulais des photos. En fait, je me suis mal exprimé. Ah. Je voulais des photos genre bien chic. Tu vois, non. En fait, au lieu de mettre chic, j'ai mis sexy. Maintenant, si elle m'envoyait des photos où elle est en robe bien plaquée, je prenais, j'envoyais ça aux gens de la prod là-bas. Pour dire, pardonnez, voici celle-là. Inscrivez-la. Maintenant, par exemple, si je voulais, c'est qu'elle m'a envoyé là. Pourquoi qu'elle m'a envoyé, elle n'a pas répondu? Mais quand, quand j'ai vu, ça m'a choqué. Je t'ai dit, arrête. Parce qu'elle est venue, c'est elle qui vous posait. Mais ça te choque pourquoi? Elle a pas dit qu'elle est posée. Attendez. Mais ça choque Kevin pourquoi? Depuis, envoie-moi les photos sexy là. Et puis elle envoyait tout ce qu'elle envoyait. Attends, attends, attends. Et puis elle envoyait tous ses autres messages. Vous m'avez vu répondre. Mais toi, c'est à la question. Envoie-moi des photos. Mais je voulais des photos. Oh, vous avez quel problème? Je voulais des photos chic. C'est pour ça qu'elle m'a dit. Parce qu'elle dit, tu dis, si elle vient, si la police va venir. Est-ce qu'il a dit que tu es venu? Elle dit, oui. Qu'il m'aime, c'est ce qu'il fait. Elle t'a dit quoi? Oui, moi je l'aime. Elle dit il m'aime. Mais moi j'ai dit que tu l'aimes. Elle dit oui. Elle dit mais est-ce que toi, est-ce que lui veut de toi? Il veut pas. Elle dit si. Il me veut, il m'aime. C'est quoi il fait? Parce qu'elle a. Parce que tu l'as demandé d'être sexy. En fait. Donc après elle aussi s'est restée. Et si tu la convoques là, elle prend les photos. Elle a raison. Et elle a raison. Mais je suis désolé. Envoie-moi des photos. Non, arrêtez, ça ne me fait pas rire. Non, c'est la vérité. Si tu es pervers pour ce non, mais admettons, la fille est jolie. Oh, arrêtez, c'est mal là. On a dit là. On a dit ce que tu veux dans ton téléphone. Envoie ma photo. Tu veux demander à un moment donné. À un moment déjà, deux enfants. Voilà. Voilà. C'est pas photo ça que je voulais. C'est pas photo ça que je voulais. Quand tu peux même dire un gars, envoie-moi des photos sexy de toi. Ça veut pas dire qu'il a fait des photos chic. Non. Quand tu dis photos sexy, il a fait des photos chic. Mais là, pourquoi tu n'as pas dit chic sexy? Mais parce que j'ai l'habitude de dire photos sexy. Genre, quand il voit. Ça dépend de la qualité des gens qui tu parles. Quand il y a une de mes photos sexy. Non, mais moi-même, c'est pas une affaire de qualité. Sexy, là, même là, c'est. Non, mais la prochaine fois, les soirées, j'ai vu vos messages hier. Vous avez dit que de me protéger. La prochaine fois qu'elle vient. Je vais appeler la brigade de police. Non, ils vont venir la chercher. Et puis, on va aller au commissariat. Je vais prendre une mesure d'éloignement. Parce que c'est eux. Elle vient de mon domicile sans que je l'invite. Est-ce qu'elle va respecter l'appel d'éloignement? Affaire de police, elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur de la police. Elle est à tout pour braver l'amour. Parce qu'elle sait que cet amour. Elle sait que vous devez. Elle refuse. Elle me demande de refuser. Il s'agit de l'amour. Attends, vous parlez en même temps. Quand, pardon, moi, je venais de me réveiller. Donc, il est assis au salon. Elle dit, quand il y a la belle, elle dit, Noura, il m'en veut. Et puis, elle vient vers moi maintenant. Tu n'as pas le numéro de Kevin. Il dit son numéro personnel. Je lui ai dit, si.
Elle dit, mais donnez les noms, pourquoi tu te dis ça de bois? Elle a fait comment? Oui, elle a fait comment? Genre tout ce que Noura disait elle après, elle riait sur moi. Non, elle a demandé à Mémé aussi, en Djoula. Elle s'est même pas donné. Mémé dit à papa, elle rit. Ça faisait peur. Non, là, c'est une sorcière. Mais c'est qu'elle suicide, c'est non, moi, ça, il prend le doute maintenant au sérieux. C'est une sorcière. Le lien, la trouve, c'est. Après, tu l'as vu même. C'est une sorcière. Fait, là, ça fait trop peur, franchement. Oh, mais non. Tu as pas pour mériter ça. Je te dis. Rien. C'est pas une vieille qui est une vieille, pardon, une maman qui est amoureuse, c'est un vieux qui de l'épée français. Et elle dit, franchement. Non, non, photo. Bref, on va faire le concept. C'est tu préfères. Donne, je vais le dire. Tiens. Tu as toujours Tinder dans ton téléphone. Oh, arrête ça, la Tinder, je ne l'utilise pas même. Donne ça pas dans ton téléphone. Elle n'a pas comme ça, il y a des attributs. Bon. Vous préférez pouvoir voyager partout gratuitement ou manger partout gratuitement? Voyager. Voyager. Aïe, voyager. Mais expliquez voyager. Pourquoi. Aïe, parce que c'est chic. Aïe. Tu voyages, tu vas partout gratuitement. Forcé de voyager, tu vas manger là-bas. Si je non, mais voyage, si tu manges, tu dois payer là-bas. Oui, c'est pas grave, j'ai les moyens de payer. Mais. Voyage, je peux manger, c'est pas grave. Voilà, en fait. Ça, mais c'est quelle question. C'est le plus cher, on choisit de manger là-bas. Ça, c'est grave. Aïe. Voyager, je peux pas quoi. Moi, je préfère manger gratuitement. Toi, comme tu regardes ta vidéo chic là, c'est à cause de ça. C'est ça. Sinon, tu me vas dire que c'est un doux. Sinon, tu as choisi de manger pour laisser. Toi, mais c'est pas alors, moi, tu as deux jours en France. Tu reviens, tu t'en vas aux États-Unis, tu fais un jour, tu reviens. Toi, tu préfères manger qu'un voyage. Moi et les souris, elle, on choisit voyage. Si tu vas en voyage même aux États-Unis, fais trois jours, mets-toi tes prives de nourriture même. Parce que même tu es en train de voyager, tu vas accepter. L'amour des avions. Moi, j'ai dit, je préfère manger gratuitement. On dit non. Parce qu'il y a l'inflation et puis la nourriture, là, c'est ce qui nous permet d'avoir de la force et de rester en vie. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a faim, qui voyage? Depuis des années, on est habitué, on a envoyé gratuitement. Là. Ça y est. Et où? C'est mon opinion. C'est mon avis. Pas même tes voilà. Souris, même mais après, je vous comprends. Hein. Moi, j'ai voyagé un peu partout. Ce qui n'est pas votre cas. Donc, je vous comprends. Non, 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 non. Ce que tu veux faire là, j'avais vu déjà. Tu n'as pas d'avion. Je suis allé au Togo, oui, c'est vrai. Oui, mais, ah, mais le Togo, c'est un beau pays. Je l'ai dit, je l'ai vu. Non, je l'ai vu venir. Pas je l'ai vu venir. Non, quand je dis voyager là, c'est pas forcément aller en Europe ou bien. Le Togo, c'est un joli pays. Je suis méga. Hé, hey, client programme 6. Allô? C'est pas Lily, c'est Kevin Aubin. Elle n'est pas à côté. Vous voulez Placali? Oui, tu veux Placali? D'accord. Tu es au programme 6, non? Oui, en fait, je veux avoir le montant total. Le montant, tu veux combien de plats? C'est 6 000, c'est un plat à 2 000. Elle dit qu'il n'y a pas poisson, mais le prix est même non. Chose. Parce qu'il n'y a pas poisson, mais elle va remplacer poisson par polo, ah, par crabe. Ouais. Voilà, donc ça fait 6 000. D'accord. Elle a écrit dans son téléphone client programme 6. C'est ma tata. Ne fallait mettre tata. Hey, elle ne m'a pas dit son nom. Hey, Kevin, arrête. Ah. Elle, me mettre... elle va te livrer. Lily n'est pas bien. C'est son placardier, son moins qui est bon. Sinon, elle-même. Hein? Tu as ma chambre, Je un petit avis. Oui. Oui, vas-y. Donc, oui, mais ça à qui? Ah, d'accord. D'accord, ta cliente. Non, je respecte ton avis. Hein. D'accord. Placali, la même fois, laissez-moi, mais je vais payer pour toi. Wow! Oh! Juste livrer, moi il y a de l'argent à Lily. Oui, de rien, chérie. Mais merci pour ton conseil, merci. Je te fais plein de bisous. Bisous. C'est ma chérie, elle fait comment? Mais je m'attendais pas à ce conseil. Hein. Tu as voulu faire peur. Que... Décris à Daisy. Hey. Mais j'avais déjà écrit, ça appelle les mains. Je vais faire, laissez-moi gérer, il est fait. Mais merci, tata cliente. Faut écrire le nom de tes clients. Tu peux pas mettre client programme 6.
C'est pas son nom. Mais ça vous s'est rappelé vite aussi. Ça vous rappelé. Elle peut mettre Tata Programme 6. tu traites tes clients comme on a. Deux clients. Vous voyez que Kevin a l'ingénie, non? Je vous ai dit que Kevin est bien, mais il a l'ingénie. De suite, il était de bonne humeur. Elle appelait, elle lui a donné son conseil. Parce qu'il voulait faire un peu, mais il avait la devant. Il avait pas l'humeur. Ouais, tu vois, mais si c'était pas encore là. Il allait te coucher. Allô? Lui, il n'a pas l'entendu faire une vidéo. Pas, il a coupé. Bon, on passe à autre chose. Avoir une bibliothèque privée dans sa maison ou un cinéma privé. Ouais, cinéma privé. Parce que moi, je n'aime. Et encore là même là. Non, non. Il s'agit de la connaissance. Une bibliothèque. Bon, moi, franchement, j'aime lire. Moi, j'aime lire. Ah, excusez-moi. Oui, attendez, j'ai demandé. Casque, tu as porté la salle. Je vais me préparer pour l'avion de bientôt. Dans 4 mois, il va partir. Tu vas où dans 4 mois? Au Canada. Elle n'a pas passeport. Je sais pas. Mais donc au Canada on porte casque. Et puis dans l'avion aussi on porte casque. Donc tu fais répétition quoi. Tu restes au raïs là. Franchement, moi je préfère ne citer pas. Non. Yé, Dora. Bon, école là tu as déposé. Bon, peut-être à cause de mes enfants. Oui. Mais genre moi-même là, il n'y a pas de cinéma. Si il y a lié dans mon portable. Ou bien il y a lié. Moi, je préfère, moi j'aime lire, hein. Moi j'aime lire. Donc, moi c'est par contre j'aime lire. Ah oui, je suis très lisant. C'est pas parce que tu vois les gens que ce que tu n'es pas là, tu as fait genre. Non, j'aime lire. De te dire les livres que j'ai lus. Oui, le dernier livre en date que tu as lu, c'est lequel? Le dernier livre que j'ai lu, c'est Les Fleurs du Mal. Ah, ça c'est vraiment Les Fleurs du Mal. Oui, c'est Les Fleurs du Mal. Ça c'est quoi? Depuis... Bon, c'est pas un roman, c'est un recueil. Lily dit c'est depuis Terminal, Les Fleurs du Mal. Oui, mais quand même, il y a des choses à retenir dedans. Hein. Tu as retenu quoi? Hein? Tu as retenu? Retenu que les fleurs font mal. Les roses ont des épines. Et qui est l'auteur? Et qui est l'auteur? Charles Baudelaire. T'as dit quoi? Charles Baudelaire. Okay. Est-ce que toi tu connais Baudelaire? Non, pourquoi tu allais dire Baudelaire? Encore, on dit Baudelaire. Voilà. Vous êtes des pique-nique. Tu connais Charles Baudelaire? Bac. Je ne connais pas. Pourtant, les bacs littéraires. Vous avez vu quand il y a eu dans la vidéo que vous aimez déjà. Mais aïe. Quand c'est ça là, les abonnés ne disent rien. On ne dit pas que nous avons commis des soucis. Mais s'il y a une petite touche, il nous a dit de me charger. Mais attends, comment tu peux faire de l'âge? Je ne connais pas Charles Baudelaire. C'est moi d'envoyer ça. C'est moi d'envoyer ça. Si tu veux pas terminer la vidéo, tu peux partir à la maison là. Elle est toute intelligente. Elle est très. Tu sais qu'elle n'a même pas fait terminal. Elle est bac en premier. Tu as dit. Ah, je comprends. Ah, elle a fait la musique. Elle est toute intelligente. Mais les œuvres là, les œuvres littéraires là, elle a bien. Lily, tu as l'ECMO. Tu as la licence en l'ECMO. La licence de Lily a baptisé quand t'as jamais vu. Licence de Lily là. Moi, elle est là-bas, elle est là. On n'a jamais vu ta licence. Elle est niveau master. Quand tu parles là, elle te Lily, tu dis que tu as licence, on n'a jamais vu le diplôme là. Vrai. Oui, attends, vous aussi. Toujours, elle dit que. Regarde, toujours là, elle dit, elle va faire photo, elle va nous envoyer. Elle est bi. On n'a pas encore vu. Depuis 2016, j'ai la licence. Depuis 2016. Licence, alors. Et puis, vous ne faites pas la session, hein. Vous ne faites pas la session, hein. Maman. Tu ne faisais pas la deuxième session. Jamais. Tout ce que tu dis là. D'accord. Mais nous, on veut voir le diplôme. C'est la nouvelle question qui est là. Après qui a connu le Yango, où est passé la licence de Lily? C'est tout. Qu'est-ce que je voulais dire? Moi, évidemment, je préfère une bibliothèque privée parce que moi, je lis beaucoup. Oui. En ce moment même. Tu es en train de lire Britney Spears. En ce moment même, je lis le livre de Britney Spears. Donc. Aussi beaucoup. Oui, voilà. Là j'ai lu ça, c'est le livre de Victor Castanet, c'est un journaliste français, ça s'appelle Le Fossoyeur. Et celui c'est Dosso Abraham Mohamed. Ça c'est un gars qui est venu faire le vrai match, l'écrivain là, donc il m'a donné son livre. Ok. Donc ça en fait ça parle des EHPAD, de tout ce qui se passe de mal dans les EHPAD, de la façon dont les personnes âgées sont traitées dans les EHPAD, donc ça dénonce en fait. Et ça, ouh, j'ai cassé, oh. Ça c'est mon patron, Fabrice Aognon. C'est ton patron. Voilà. Non, c'est pas ton patron. Allô? Allô, c'est pas ton patron. Oui, c'est le patron. Ah, c'est vrai, vous faisiez le canapé. Oui. Le canapé des affairés. Oui. Bon, moi, j'ai terminé le livre de mon patron, hein, mais je ne peux pas offrir parce qu'il m'a fait une dédicace. Voilà, sinon j'allais offrir, mais je ne peux pas. Donc, j'ai acheté le livre, je l'ai terminé. Mais comme la dédicace me tient à cœur, il est écrit. Kevin. À mon fils Kevin.
à ton talent, à ce que la vie nous offre de meilleur, à toi, aux autres, ce livre pour transcender ta vie. Avec mon cœur, Fabrice Saounion. Là, c'est chic. Fabrice Saounion, c'est mon boss. Oui, oui, voilà. Ça, c'est notre. C'est pas notre boss. C'est pour Kevin là, c'est vrai, vrai. Je t'avais téléphoné. C'est pas votre patron. Vous avez fait un peu de canapé des affaires. L'émission a été arrêtée. Maintenant, pour pourquoi? Pour faute d'audience. Maintenant, pourquoi? Parce que vous ne, l'émission ne marchait plus à cause de vous. Ça ne parle que de nous deux. Ça parle de vous. Ça ne parle pas de nous deux. C'est toi, ton boss, c'est ton boss qui est qui? C'est lui qui a c'est mon boss que vous. C'est nous tous, c'est bon, c'est ton boss que nous. Moi, je contrats, hein. Jamais. Donc, c'est ton boss que nous. En tout cas, je vous incite, client programme 6, faut que mais ils ont payé ça, mon Dieu. Mais la livraison, tu vois comment tu traites tes clients. Faut arrêter aussi. Non, la partie n'aura pas. Non, je rigole. Alors, achetez le platalis sexy ou... Oui. Tu as reçu, non? De dire quoi? Non, tata, c'est avec grand plaisir, il n'y a pas de souci. Bon appétit. Bisous. Ça marche. Amen, amen. Merci, tata. Bon appétit. Merci, tata. Donc voici, allez-y acheter le livre, il est disponible en librairie. Donc, oui, pause, donc on a fait pause publicitaire en même temps. On parle de notre boss là maintenant. Publicitaire. Oui, voilà. Achetez le livre de mon boss. De notre boss. Hey. Vous criez trop. De notre boss. Tu ne travailles pas à Live TV, tu as fait un peu de canapé des affaires, ils t'ont chassé. Tu vas travailler la BPC, oh. Tu vends de touches. Quelle est la compte que tu vas me rappeler? Hein? Fabrice Saounion. Qu'est-ce qui prouve que. Moi j'ai mon émission. Je suis Fabrice. C'est ta tête. C'est ton camarade. Attends, faut dire, tu veux dire quoi? J'ai écrit mon émission. C'est ton émission, tu as écrit là, c'est vrai? Non, pourquoi je te dis? Après, je vais lui envoyer le courrier, il va voir. Ah, tu as envoyé le courrier? Oui. Bon, attends, j'ai fait pause publicité. Transcender la théorie du miroir. Ouais. Donc, je vous incite, je vous exhorte vivement à vous rendre en librairie pour acheter ce livre qui va permettre de transcender votre quotidien et vous surpasser envers ou contre tout. C'est ça, il coûte 15 000 francs seulement. Oui. Seulement parce que ce qui est dedans là, ça vaut plus que 15 000 et au-delà. En tout cas, c'est pas cher. On voilà. Peut faire un peu sa bibliographie. Pardon. C'est bon, faut laisser. Non, je ne peux pas laisser ça, on a commencé, on n'a qu'à terminer. Né le 18 janvier 1972, Fabrice Saounion est un visage emblématique du monde de la communication en Afrique et compte parmi les personnalités les plus influentes du continent. Président directeur général du groupe Life TV, directeur général du groupe Vodou en plus. Tu sais que tout ce que tu es en train de faire là, les entreprises, tu ne seras pas embauché, non. Faut laisser. C'est moi seul mon patron. Prochaine bon. Publicité. Payez le livre. Ok. C'est quoi? La prochaine publicité, je vais vous parler du placali de Lily. Merci, ma c'est fille. C'est pas parce que c'est ma grande soeur. Écoutez bien, apprêtez vos oreilles. C'est pas parce que c'est ma grande soeur. C'est pas parce que c'est mon sort. Mais quand je vous dis c'est bon, c'est que c'est bon. Pause. Reprends. Ça, c'est quoi? Ça faisait 33 minutes. Vous c'est ça, tout ça, il faut acheter la caméra. Tu veux pas? Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Faut continuer là-bas. Du coup, je disais. C'est pas parce que c'est ma grande, c'est pas parce que c'est mon soeur. Mais quand je vous parle, écoutez bien. Placali de Lila, c'est doux. Non, c'est doux, hein. C'est pour un. Il a dit, tu manges les petits sacs de mes placali, il y a placali et puis il y a placali. Ce qui me plaît dedans, c'est qu'elle n'est pas chère. C'est que là, quand tu donnes tes 2000 ou tes 2500, tu es satisfait jusqu'à. Tu manges jusqu'à. C'est placali qui reste dans la tête. C'est pas du jeu. Placali reste dans la tête comment? Oui. Tout dépend du goût. Placali, c'est une pour. C'est-à-dire, tu es au bureau, non? Rendez-vous. Si tu vois que dans mon bureau, il n'y a pas trop à manger, ou bien la nourriture, tu peux masser de façon là. Un seul numéro, Lily Don. Les 07. Oui. 87. Okay. 58. 48. 71. Okay. C'est ceux qui parlent du coup, n'hésitez pas. Le seul numéro qu'elle a dit là, Kevin va dire à son modèle d'écrit. Vous faites la capture le jour que vous avez fait. Tu es au bureau, tu ne sais pas quoi manger. Tu es à l'école, tu sens que le gars va te fatiguer un peu trop. Appelle Lily, rapide, efficace, bon et propre. Oh. Ça, il n'y a pas pour Lily, il y a fait maintenant. Toi, tu vends quoi? Non, je fais partenariat avec une fille. Oh! De jus. De jus, comment? Pardon. C'est un peu placardiste, c'est un peu jus. Merci. Ma petite. Ok. Ouais. Donc, je reviens pour vous dire que tu ne peux pas finir de manger sans boire. Ouais. Parce que bien manger, c'est aussi bien boire. Voilà. Du coup, si tu as un baptême.
un anniversaire. Tu sais que Jules, c'est pas tout le monde qui se fait Jules. Oui. Jules, là, c'est délicat. Et puis Jules, là, on met tout là. Droit au but. Droit au but. Droit au but. Tu mets, on met trop la main dedans, donc faut une personne de qualité. C'est pas tout le monde qui s'est fait jus. Jus où il y a trop de sucre dedans, c'est pas bon, c'est pas doux. Du coup là, tu as ton anniversaire, tu as ton baptême, anniversaire de ton enfant, mariage, tout ce que tu veux, tu l'appelles. Elle fait tes jus. Jus là, moi j'ai bu, j'ai goûté, j'ai bu. Le nom n'est pas important, c'est son numéro qui est important. J'ai bu le jus là, c'était super bon, il n'y a pas trop de sucre dedans. Le numéro. Du coup, je laisse le numéro. Et puis, quel numéro est écrit aussi en haut? Voilà. 07 88 74 81 47. Répète toi bébé, répète toi. 07 88 74 81 47. Donc quand vous finissez de commander le placali, vous appelez le numéro pour boire un peu de jus. Donc toi Noura, toi tu fais un partenariat de jus. Et puis souvent dans le frigo ici, il n'y a même pas l'eau pour boire. Maintenant, toi tu fais un partenariat de tac dans cette nous on va les voir. Toi tu fais un partenariat de X là. Où est voiture qui est garé là? Toi, tu as fait partenariat des parfums ici, là, tout est parfumé. Félicitations à vous trois. Merci. D'accord. Loïc, là, qui fait le montage, là, c'est moi, je le paye. C'est moi, je le paye. Si je lui dis de couper, il va couper. C'est ce que vous oubliez. Je mets ici, vous mettez ici. Pardon. Il n'y a pas de souci. On poursuit. Il va couper, il va couper. Pardon. Pardon. Que c'est ta chaîne. Pardon. Bon. Vous préférez avoir une grande famille, monsieur qui est en couple. Je n'ai pas dit son nom, mais en tout cas, c'est femme. C'est non, femme. C'est pas à préciser, ils savent. C'est souvent, hein. Non. Souvent. C'est femme. En tout cas, c'est femme. C'est avec femme, il est en couple. Donc, on dit, tu préfères avoir un enfant. Ou bien vous préférez avoir plusieurs enfants, une grande famille. Alors, moi, clairement, ça dépend de ma situation financière. Bon, je sais que j'aurai l'argent, donc franchement, moi, trois enfants maximum. Voilà, en 2024, on ne fait pas enfant 15. Trois enfants, je sais que je peux les nourrir, je sais qu'ils peuvent avoir le meilleur soutien financier. Voilà. Donc, trois enfants, pour moi, c'est bon. Moi, je veux en avoir cinq. Ça, tu vas avoir combien? Cinq. La poule. La pondeuse. Moi aussi, cinq. Mais des triplés à l'intérieur, donc du coup, trois accouchements pour cinq enfants. Trois maternités, voilà, pour cinq enfants. Comme triplé, là, on ne choisit pas. Donc. Et parce que tu as poussé, c'est. En tout cas, okay. Il faudrait triplé, là. On choisit, commande, on commande. Genre, tu commandes triplé, là, sur Internet. Et puis, ça vient dans ton pote que je veux des triplés. Moi, je veux un enfant. Tu en veux? Bon, comme on doit répondre. Je veux un enfant. Je veux pas beaucoup d'enfants. Voilà, et ça suffit. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime voyager. J'aime la vie de Louga. J'aime vivre. Donc, beaucoup d'enfants, ça va me fatiguer. Ça va fatiguer mes finances. Et puis, quand tu as beaucoup d'enfants, là, tu peux pas trop bouger. Moi, je veux un enfant. C'est parce que même on doit répondre. Sinon, même si on regarde bien, même. Tu veux pas. Je veux pas. Non, faut pas. Il a dit que un. Mais là, c'est un et deux. Un avec deux, comment? Ou bien trois dans pour l'île. Non. Non, c'est toi qui décides. Jean, jumeau quoi. Pourquoi? C'est pas que lui peut décider. Il peut décider. Ça, là, si c'était moi, je suis là. Non, attends. Ou bien. Il y a son truc, moi. Non. Pardon, j'ai. Je peux décider comment? Mais la chose a évolué, tu peux décider. Moi, mais je peux décider si je veux deux ou trois. Ou bien, moi, je peux décider. Nous tous ici, on peut décider. Nous tous là, on peut aller prendre une chaîne pour écrire le nom derrière. Ah! Pour mettre cœur, pour dire que. Parce que, faut pas me. Parce que tu as porté chaîne et un nom derrière que cœur. Moi là, je peux aller prendre une chaîne, je mets Annick, je mets cœur. Et puis c'est ma bouille, dit que. Ah, Fouli, c'est ma femme qui est là. Et quand c'est lui, il peut décider. Mais tu peux décider. Mais pourquoi? Parce que c'est mauvais. Pourquoi pour Lily là? On a dit que Lily ne peut pas décider. À mon tour, tu dis que moi, elle peut décider. Ah non. J'avais pas bien entendu. C'est où moi je vais passer pour décider où? Et puis elle ne peut pas passer. Donc, pour décider. Tu avais dans ma vidéo pour me dire. Excuse-moi. Donc, toi, tu veux quoi? 5 enfants? Oui, pour toi, maternité. Pour trois maternités. Donc, si c'est 5 maternités, tu fais mal. Non. Ça va. Ok.
préférez, vivre sans musique ou vivre sans film? Je préfère vivre sans film. Moi aussi. Aïe. Musique. Sans film. Musique. Moi, je préfère vivre sans musique. Non, non, c'est pas parce que je veux forcément aller à l'encontre de ce que vous dites. Mais moi, là, moi quand je suis couché ici, là, je regarde les séries. Je regarde les séries, je regarde même les séries africaines, genre les coups de la vie, tu vois, non? Makiza, les choses comme ça, même la série 2 jours là, le futur nous appartient, saison 2 là. Je suis sur, au 6e épisode. Je regarde. Aussi, quand tu as couché, tu écoutes la musique. Ah oui! C'est tout ce snap là. Elle est à l'ouest. On a beaucoup entendu. Ça, c'est qui ça? C'est pas. C'est moi qui écoute musique et puis c'est comme ça. Non, j'ai pas dit tu fais comme ça, tu chantes, tu te filmes. Hey! Mon iPhone 15 va tomber où? Mon iPhone 15 va tomber. C'est, je voulais juste montrer que tu fais comme ça. Tu vois, non? Moi, en tout cas, je préfère. Parce que moi, quand je regarde les films, je regarde les jeux des acteurs. Tu vois, non? Donc. Quand il regarde, mais voici le message. Je vois des messages à Paul à Pouti. Et là, la labo a bien joué son rôle. Et nanani, nanana. Donc, moi. Voici le message. Loïc, mais il va mettre. Moi, il met pas. Il voulait te dire. Moi, il met pas tout. Quand il dit voici les messages là, Loïc. Loïc! Tu travailles pour moi. Et puis quand tu dis à bosser à l'autre. Oui, oui, c'est moi qui mets ici ta photo là-bas. Quand tu mets ton nom, quand c'est ici. Loïc, Yami, c'est pas que t'es gagné, mais c'est ça. C'est pas à vous, tu as t'amuser, Loïc. Un jour tu as dormi, tu t'es réveillé, ton salaire là c'est la moitié. Ah, toi tu t'es comme ça. Il y a ça aussi. Mais il a raison, il peut être ça, ça doit être parfait. Non. Non, il a raison. Je suis pas désolé, mais c'est le perfectionniste. Je sais pas si vous allez dire ça. C'est pas ici comment? C'est pas ici, tu as dit que quand il dit ici, il va ici. Ça va ici, tu as dit ça. Tu as dit que quand il dit ici, il va ici. Mais là, je lui fais fort ici. Tu dis que pourquoi? D'accord, bon. Et puis quand vous choisissez, la développer un peu. Parce que vous répondez plus, vous n'êtes pas. Pas la chaîne, mais il faut lever ton nom, toi, c'est dessus. Quelle chaîne? Kevin Obey et compagnie. Ou bien je ne sais pas. Pourquoi? Parce que souvent vous venez faire vidéo. Hein? Kevin Obey et compagnie. Parce que en plus, mais tu te fous de nous, tu ne nous préviens pas même à l'avance. Tu ne nous préviens pas. Hein? La fonctionnaire de YouTube. On va faire courir pour te prévenir. Tu tombes sur nous comme ça. Je ne crois pas. Vous voulez être riche et triste ou pauvre et heureux? Pauvre et heureux. Moi, je veux être riche et triste. Aïe! Pauvre et heureux, pas mal. Riche et triste. On profite de moi. On profite. Je préfère pleurer. Dans une Ferrari. Que rire. Dans une Twingo. Je préfère pleurer dans une Ferrari. Que rire dans une Twingo. C'est la joie, mais vous là. Mamie, la joie. Vous ne dites rien en fait. Parce que si ton argent ne peut pas te rendre heureux. C'est de la joie, quoi ça. Hé! Je veux être triste. C'est pas la pauvreté qui me fait sourire. Voilà. Mieux vaut être triste. Là où tu as tout, qu'être heureux là où tu as rien. Tu vois, moi j'ai fait du angoisse. Est-ce que vous connaissez le dedans de soi? Quand tu as l'argent, tu n'as plus d'angoisse. Oui. Non, tu as l'argent et puis tu es malheureux. Malheureux. Mais il a dit riche et malheureux. C'est tout. C'est tout. Chacun vit pour lui. Bon, le risque, quand moi je serai riche là, je vais prendre mes pieds pour essuyer mes larmes. Voilà. C'est tout. C'est tout. Ah non, c'est pas comme ça. C'est tout. La question à poser. Aïe. On dit, tu es riche et tu n'es pas heureux. Tu es pauvre et tu es heureux. Mais oui. Tu es riche. Ça veut dire que tu as l'argent, mais tu n'es pas heureux. Je ne suis pas heureux, je pleure, non. Je pleure, non. Mais moi, je veux pleurer. Si je veux pleurer. Il y a des gens, même, on les paye pour pleurer dans le film. Je veux pleurer. I want to cry. I want to cry! Non, c'est vrai. Non. C'est, je pense ce que je dis. Clairement. On pense. Hein. Non. Ok. La richesse. I want money. To cry with money. Of course. Oh yeah. Shit. Vous voyez pas les gens qui sont dans l'Illuminati là? Ils pleurent tous les jours. T'as filmé? Les gens qui sont dans l'Illuminati là. Ne jamais pouvoir crier ou ne jamais pouvoir chuchoter. Si? Non, moi tu aimes critiquer là. Toi tu aimes critiquer là. Faut utiliser ne jamais pouvoir crier là. Comme ça tu vas chuchoter. Clairement. Mais toi seulement tu peux pas prendre ne pas crier. Tu non. Ne pas moi crier. Je préfère ne jamais chuchoter. Voilà. De toute façon je chuchote jamais même. Donc voilà. Mais toi de toute façon tu es papa tôt. Non, oui, moi je. Tu es. Voilà. Tu critiques ton prochain. Sorti là. Sur ton TikTok même c'est ton travail. Tu critiques les autres. Tu parles de la vie des autres. C'est ça. Ne jamais pouvoir chuchoter. Ne jamais pouvoir chuchoter. Vous voulez crier quoi? Non, mais crier.
Ça, c'est moi, c'est le cible critique. Mais s'il y a un bonheur. Mais s'il y a un bonheur là, tu peux faire. Non. C'est tout. Non. Hi. 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 Tout. S'il y a un bonheur. Déjà. Vous, vous, vous ne connaissez pas ce qu'on appelle le. Et puis si par exemple vous utilisez ne jamais pouvoir crier là, il touche du bois, le jour il y a des serres comme ça là, il n'y aura pas bruit. Je... Non. Ah, il peut tu peux pas crier. Ça fait classe. Ça fait classe en fait. Faut crier si qui. Non, non, non. Un enfant là, c'est l'éducation. Ouais. L'éducation, c'est pas crier. Lui qui va avoir un enfant là, il va dire non. Hey. Vous voulez faire 5 enfants, mais vous voulez crier sur eux. Les enfants, ils vont pouvoir crier sur tes enfants. Bon. Il y a trop de poser. Il n'est pas organisé. Tu es allé chercher comme ça. Voilà. Quand tu as lu là, le suivant, là, tu t'as battu. Il faut lire. Vous préférez un animal qui peut parler ou un livre qui répond à toutes vos questions? Oui. Je préfère. Moi, je préfère un animal qui parle. Je préfère le livre aussi. Non, 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 non. Livre qui répond à toutes les livres, questions. Livre, là, c'est pas un être vivant. C'est pas un être vivant. Maintenant, c'est un animal qui parle. Harry Potter. Cherche qui parle. Maintenant, animal qui parle, là, là, tu vas voir ça dans ma famille. Oui, parce que c'est. Livre qui parle là, c'est Harry Potter. Non, maintenant, animal qui parle là, tu vas voir ça dans ma famille des Delta et plus Boyeri. Si le livre même parlait simplement, peut-être j'allais choisir. Mais, le chien. Mais un livre qui dit tout, non. Dit que le livre est mieux. Pour un singe comme ça qui est venu de la forêt, là, son palais n'a pas tapoté. Non, on parle en échange. Il a dit un animal, il n'a pas pensé. En échange, c'est un être vivant. Non, le livre, ça peut t'apporter de la connaissance. Beaucoup d'êtres vivants, Kevin est être vivant. C'est des chiens, tu as besoin aussi pour communiquer. Hi! Yeah. Yeah. Tu es venu là! Tous les êtres vivants qui existent là! Toi, c'est chien! En tout cas, moi, je préfère. Dis-moi, non, non, non. Je préfère un livre qui répond à toutes mes questions. Parce que animal qui parle là, à un moment, il va s'oublier, il va penser que c'est son camarade. Ah. Je veux pas! Je veux pas! Je veux pas! Bon! Arnold, oui, on va te poser des dernières questions avant de couper la vidéo. J'ai l'impression que deux jours, tu ne parles plus à tes amis qui font béret comme toi sur TikTok là. Quel ami? Bon, il s'appelle Panam. Panam, on était ensemble hier. Yeah. On était dans un restaurant de la place. J'ai fait béret sur celle-là. C'est qui? La belle Manu l'a invité dans Pipolémique. C'est qui ça? Celle qui a affiché médaille là. En tout cas, on était ensemble hier, le voilà. Il a pris photo de mon iPhone 15 pour moi. On était ensemble. Et l'autre là, il m'a tué là. Si on se parle, mais on se voit pas beaucoup. Parce que, il y a quoi? On est en train de faire du contenu. Donc toi, tu fais vidéo, c'est toi sur ta voix, on entend. Vous êtes quatre. Mais c'est moi sur ma voix, on entend, parce que c'est moi qui suis investi dans la vidéo. C'est pas la chaîne, autant qu'ils s'en foutent. C'est parce que Arnold, quand il fait des trucs TikTok, il le voit un peu plus dynamique. Non, il est dynamique, hein. Là, il parle même en direct. C'est pas sa vidéo, donc là, il parle comme s'il veut pas parler. C'est ça, oh. Tu as vu. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Bon, Lily, il y a un dernier truc à dire. Oui, je rompe la calière. Non, non. Je pense que la vidéo est finie. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir suivis. Merci. Rendez-vous pour un prochain épisode. Je serai encore dedans. Voilà, donc commencez à vous habituer à moi. C'est pas ça, c'est moi qui ai parlé. C'est Noah qui dit Coutelina, vous criez, vous me régalez. Pour dire quoi? C'est la vie. Ah non, pardon. Toi aussi, quand tu es pas, il faut écouter la vie. Genre, la vie écoute, tes cheveux sont longs. Coutelina écoute. Toi aussi. Faut si on sait, faut si on sait, tu as compris. Oh, arrêtez, vous savez bien qu'il n'est plus rien contre Coutelina. Moi, je sais. Je lui ai dit que Coutelina n'a qu'à rester là-bas. Non, pardon. Coutelina veut tout sauf rester là-bas. Pourquoi? Elle est dans sa famille. Mais Coutelina t'aime. Mais non. Eh! Quoi, non, mais c'est pas toutes les relations qu'on est obligé de conserver. Non, 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 mais non, c'est non, pas ça. Non, faut pas que tu aies non, fait non, ça. Non, tu es un peu direct. Ne sois pas hypocrite. Non, on n'est pas hypocrite. Moi, je n'ai pas dit. Oui, non, non, mais je vais dire. Moi, il n'a pas dit qu'il n'a pas venu s'asseoir maintenant. Moi, je ne demandais pas d'enquête pour que, genre, même si je vois, ils peuvent se saluer. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'animosité. Mais ils ne sont pas obligés d'entretenir une relation, en fait. Ah, et vous aussi. Mais non, pas c'est dans la vie, là, c'est vrai. Aussi, c'est vrai. Dans la vie, là, c'est vrai. Nous tous, on aime l'homme.
n'y a pas quelqu'un qui n'a pas aimé côté lune ici. Mm. Mais dans la ville aussi, là, il y a des personnes d'ailleurs qui font mettre des limites. Ouais, ouais. On a critiqué côté lune ici. Tchad, c'est mon bébé. On a critiqué côté lune, ça fait même pas une semaine. Aujourd'hui, côté lune est ton bébé. Moi, si je vous avais rendu par ailleurs. Non mais vraiment, c'est pas pour dire truc. Kevin aussi a ses raisons, parce que les gens sont donnés par les pays. Tout est pardonnable. C'est la moindre homme qui n'est pas pardonnable. Je ne peux pas vous Kevin a un cœur assez grand. Je n'ai pas dit pour pardonner, mais pour écouter. Il faut écouter ton petit frère. Il te demande pardon. Il a touché tes pubs de donner pardon. Mais est-ce qu'il t'appelle le nom? Pardon. Mais c'est ce que tu as dit, c'est mon problème qui est là. Toi, tu as un problème avec Kevin. Nous, on est la famille de Kevin. Ou bien lui, il oublie. Nous, on est la famille de Kevin, mais tu vois tout le monde. C'est nous qui t'envoie ici. Si c'est moi-même là, mais c'est sur fautif, juste au dernier degré. Il a dit, pardon, voilà. Mais tu vois tout le monde. Tout le problème qu'il a eu avec Kevin, c'est moi qui lui ai demandé pardon à Kevin. Parce que tu vois tout le monde. Moi-même, là. Toi-même, il va te faire fort. Et puis, il m'a fait fort, effectivement. Moi-même, il m'a boué. Moi-même, que mon bébé, toi, il dit même, Koutelina, mais Kevin dit qu'il est si hypocrite. Il est si bon. Mais moi-même, il m'a boué. Koutelina, coutez. La vidéo est finie. Bisous les chouris, à demain pour une nouvelle vidéo. Toi, si on t'envoie ici, il faut commencer à prendre ta bête pour aller chez toi. Il te dit ça va pas envoyer. Genre, il a fait long cheveux. Non, mais toi aussi, faut pas que tu fasses comme si toi aussi tu as trop besoin. Parce que toi aussi, quand tu n'entends pas, tu es trop haut. Tu n'entends pas. Toi aussi, tu as fait les choses. Aïe. Ah, vous avez à me dire. C'est parce que vous avez à qui décide ce que j'ai envie de faire ou ne pas faire. Comme la folle qui vient s'asseoir ici pour toujours m'attendre. L'abonné folle. Laissez-moi vous dire, Koutelina, écoute ce que je vais te dire. Koutelina, je vais te dire une seule chose. Comme la folle me dit quand elle me voit. Ha 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 ha. C'est fini. Levez-vous.